Salut tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Bonne année tout le monde. Je vais revenir avec la fin du show avec mes vœux, mais en ouvrant, je voulais quand même vous souhaiter une maudite belle année, de la santé. Puis le reste, j'ai concocté de quoi à la fin du show que je vais vous souhaiter, puis j'espère que ça va vous faire plaisir. J'ai fait le tour des actualités, c'est bien tranquille. Ben tranquille. Fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir vos questions et, naturellement, vous êtes toujours assidus et vous êtes toujours là. Donc, je vais répondre à vos questions et ensuite, on parlera des vœux. Puis, vous allez voir ce que ça m'a amené, questions. Ça m'a porté à faire quelques recherches. Puis, je pense que ça va être le fun de jaser de ça aujourd'hui, en ce 1er janvier 2022. La première question qui m'a été posée, c'est par Eric. Il me demande, Steph, est-ce que tu as déjà acheté des armes par le web et est-ce que c'est facile pour les recevoir et comment est-ce que c'est? Eric, tout le temps comme ça, je fais ça régulièrement parce que maintenant, avec la pandémie, on a de la misère à s'approvisionner un peu partout. Donc, quand tu cherches de quoi spécifique, souvent, il va falloir que tu le fasses venir. Puis là, si tu le fais venir, tu n'as pas vraiment le choix. Il faut que ça rentre par la poste. Puis en l'achetant par le web, c'est correct. La seule affaire que je vais te conseiller, premièrement, quand tu vas acheter l'arme, il faut absolument qu'il te demande ton possession d'acquisition d'armes à feu, donc il faut que tu laisses ton numéro. Souvent, en l'achetant, le magasin va te rappeler et te dire, écoute, oui, ton arme est de côté, oui, tu l'as payé, mais là, ça ne prend ton possession d'acquisition, donc il faut que tu donnes ça. Puis, l'autre affaire, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer par PayPal. Pourquoi? Parce que PayPal va sécuriser votre achat. Ça veut dire que peu importe le montant que tu achètes, si après X nombre de temps, tu n'as pas été satisfait du produit ou tu as retourné le produit, peu importe, puis que le manufacturier ou le magasin n'est pas très, très, très coopératif, tu vas être capable avec PayPal de faire une plainte. PayPal font une enquête, puis s'ils trouvent que ça a de l'allure, ils vont te remettre ton argent tout simplement. Fait que ça vous évite, ça vous donne une deuxième sécurité de plus quand vous achetez du stock de passer par PayPal. C'est pas tous les sites qui l'offrent, mais je vous dirais que moi, personnellement, à 99%, même des fois, c'est un petit peu plus cher, j'aime mieux avoir la sécurité de PayPal quand je vais acheter sur le web, quand je vais recevoir mon stock. Parce que on veut juste être certain qu'on va recevoir nos affaires. Puis c'est pour ça aussi, le site de la Fermolette, il est sécurisé PayPal, parce que quand on avait commencé à faire ça, on voulait être certain que les gens aient toute la sécurité, qu'ils se sentent très à l'aise de magasiner sur le web. Malgré que là, le web, on le sait, là, c'est de plus en plus sécuritaire, puis les magasins n'ont pas intérêt à vous niaiser. Mais quand même, PayPal fait une christie de bonne job là-dessus, puis ça vous sécurise pour vos achats. Fait que oui, inquiète-toi pas, Eric, j'en ai acheté, j'en ai reçu, les munitions aussi, puis par le web, il n'y a aucun problème. Des fois, si c'est trop volumineux, ça va coûter un extra de transport, mais regarde, ça fait partie de la game. L'autre affaire. Ah oui, j'ai Marc... non, c'est François. François m'a demandé... Tu sais, là, les fameux grattages, les fameux frottages là, de chevreuil, c'est-tu important? Parce que moi, chez nous, pas tant que ça. Puis bon, m'a te parler de quoi, OK? Je vais vous dire de quoi. Les frottages puis les grattages, ça fait partie de la vie des chevreuils. Ça veut dire que pour eux autres, c'est une boîte à mal à boc où est-ce qu'ils vont tout passer dedans puis qu'ils vont laisser leurs odeurs. C'est sûr que si c'est débalancé, les frottages, les grattages sont moins efficaces. Par contre, est-ce que ils vont revenir à tous les ans dans les frottages et les grattages? Le boc qui le fait, des fois oui, des fois non. Sauf qu'il y a une étude qui vient du Michigan qui a été faite pour voir comment est-ce que c'est important les frottages et les grattages pour un boc chevreuil. Et l'étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait un très, très grand enclos. Ils ont sorti les chevreuils de dedans l'enclos. Puis pendant 4 ans, ils n'ont rien mis dans cet enclos-là. Okay, puis là, on ne parle pas d'un enclos de 20 par 20. Okay, on parle d'un grand enclos. 4 ans après, ce qu'ils ont fait, ils ont rembarqué le même un ratio parfait de mâle-femelle dans le parc pour voir comment est-ce que les bocs réagiraient par rapport à ça. Et savez-vous quoi? Chaque arbre qui avait été frotté il y a 4 ans par les bocs qui étaient là, les bocs ont retourné directement à ces grattages-là puis ils ont frotté ces arbres-là. Fait que qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour nous autres? Ça veut dire que quand tu trouves un vieux frottage, un vieux grattage, vérifie-les, laisse une caméra dessus pour voir s'il n'y a pas de quoi qui va rentrer dedans.
parce que ça ne veut pas dire que c'est le buck qui l'a fait qui va aller dedans. Mais ça peut être un nouveau buck qui arrive d'ailleurs, ce qu'on appelle les outsiders, puis que lui va monter directement sur cet arbre-là, puis il va aller le frotter, puis il va aller le gratter. Naturellement, les meilleurs, c'est ceux que tu as sur le long des transitions, mais c'est sûr que si tu as des frottages et des grattes, mais moi, je parlerais plus des frottages qui sont là année après année après année, ben c'est simple, c'est que toutes les bottes des environs passent par cet arbre-là. Pourquoi? Le setup est parfait, l'arbre, c'est l'essence qu'ils aiment, c'est sécuritaire pour eux autres, nommez-les toutes là, les raisons, mais ils vont revenir à ces faux frottages, à ces frottages-là. Fait que c'est pour ça que l'efficacité aussi des faux frottages est là, parce que là, si tu fais un frottage, puis que le buck du coin, il arrive, puis c'est pas le sien, ben lui, ça déclenche de quoi? Faut qu'il aille frotter dessus, comme les chevreuils 4 ans après. Avec 4 ans, là, l'arbre, il a eu le temps de cicatriser, il a eu le temps de tout faire, mais les chevreuils, ils le savaient, sont retournés, puis ils sont allés sur cet arbre-là pour frotter. Alors, c'est une place à laisser un stand, à laisser des caméras dessus pour voir l'achalandage, pour voir comment est-ce que c'est. Puis c'est des places que je vais faire le matin. OK? Tu sais, souvent, je vous parle le matin, je chasse pas sur mes appos. Ben, c'est des places comme ça que je vais chasser le matin quand mon stand y est installé, puis que je vais aller voir tout d'un coup que ça passerait. Puis surtout, si c'était un vieux puis il a été réactivé tout de suite, ben là, ça va vous donner des chances de plus d'aller récolter un chevreuil. Fait que j'espère que ça répond à ta question, François. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Parce que là, j'ai fait plein de notes, puis je veux juste être sûr que je passe à travers tout. Je veux pas vous parler des records tout de suite. Il me semble que j'avais de quoi d'autre, je voulais vous parler absolument. Le record. Je vais vous parler des records de pêche, c'est là-dessus que je veux m'en aller à matin. Acheter l'arme, j'en ai parlé. Ah, ben ça, on rentre dedans tout de suite. Je m'excuse, je suis moins organisé que d'habitude, parce que je suis en vacances, et c'est le premier de l'an, puis hier, on s'est couché tard, on a écouté le bye-bye, fait que tout ça, dans l'heure. Hey, m'ont vous demandé ça tantôt, ça va être ça la question du jour. Comment vous avez trouvé le bye-bye si vous l'avez écouté? Avez-vous aimé le bye-bye? Hey, ça nous sort en esti de la chasse de la pêche du plein air, mais regarde, ça va être correct. Ah, oh, puis ils vont me poser une autre question aussi, parce que j'en avais fait un autre sur les records de pêche. Et ça m'amène à mon dernier sujet. J'ai Marc qui m'a demandé, c'est quoi les plus gros poissons que t'as pogné? Fait que là, moi, j'ai fait, tu veux ça? Pourquoi tu veux savoir? Je suis juste curieux de savoir. Ben, tu sais, dans Moucheté, je fais le club des 5 livres. Dans le brochet, j'ai pogné 18 livres. Doré, des 8 livres. J'ai jamais fait 10 livres. 8 livres, j'en ai déjà pogné. Dans le saumon chinook, j'ai pogné 27 livres. Saumon de l'Atlantique, mon plus gros, c'est 19 livres. L'arc-en-ciel, j'ai 6 livres. La brune, j'ai 3 livres. Après ça, c'est quoi les autres espèces? Dans la chigan à grande bouche, j'ai pogné 4 livres quand je passais sa rivière du Talouet. Ça m'est déjà arrivé. À petite bouche, j'ai déjà pogné 4 livres aussi. Je les ai pas remarqués bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La mouchetée, je vous l'ai dit. Le doré. Ah, le doré. Mon plus gros doré, il faisait 8 livres. Et pourquoi je vous parle de ça? Ben Marc, vu qu'il m'a demandé ça, c'est quoi? Moi, ça m'a forcé à aller voir c'est quoi les records du monde. C'est quoi les plus gros poissons? Ouais, si je t'approche, hein, si tu dis, je suis pas proche. Mais checkez bien ça, OK? La brune, OK? Je vous ai dit, moi, j'ai pris 3-4 livres, là, 4 livres. La brune, 32,43 livres. Ça a été pris sur la rivière Montana. Ça a été pris au Montana sur la Marias River en 1992. La truite mouchetée, OK? 14,8 livres. T'es cœurant, hein? C'est le Dr. Cook qui a pogné ça sur la rivière Nipigon en Ontario en 1916. Le record n'a même pas été battu encore. Ça fait longtemps, là. Saumon de l'Atlantique, celui qu'on pogne à mouche en Gaspésie et tout ça, le record, 79 livres. Asti, pogné 19 livres, je te fous comme de la merde. Imagine 79 livres. C'est en Norvège que ça a été attrapé en 1928. Pas battu encore. Truite brune, 40 livres en Arkansas en 92. Wananish. Le Landlock Salmon qui appelle. 18 livres au Canada. Ils disent pas, j'ai pas trouvé où d'où est-ce qu'il est, mais ça a été pris en Ontario. 1987. La plus grosse truite grise. Tenez-vous bien. Ah, ma plus grosse grise, moi, j'ai pogné 18 livres. OK? Truite grise, 72 livres. C'est malade, hein? Dans les territoires du Nord-Ouest, en 1995. Achigan, Grande Bouche, 22 livres. Sur la rivière Montgomery Lake en Georgie, 1984.
C'est bon. Un voisin qui part. C'est une grosse machine, pour le dire. Brochet. Mon plus gros brochet, c'est dans les 18 livres. Celui-là, 55 livres. Ah si, hein? C'est malade, hein? En Allemagne, 1986. Toit arc-en-ciel, la plus grosse, 42 livres en Arkansas, 1991. Le plus gros doré, tenez-vous bien, 25 livres. Il a été pris sur le Hickory Lake au Tennessee en 1960. La Chigan Petite Bouche, le record, c'est 10 livres. Je m'excuse, je suis après lire en même temps. 10 livres qui a été pris en 1969 au Tennessee. Et pour terminer, le plus gros des poissons qu'on a au Québec, l'esturgeon. OK, tenez bien votre tuque. 468 livres pris en Californie sur la rivière Bernicia, je connais pas ça, 1980. 400 livres over, c'est malade, hein? Vraiment, vraiment malade. Fait que, ça serait peut-être ça qu'il faudrait faire. Ça donnait comme objectif peut-être de battre un record du monde. Ça serait-tu malade, hein? Tu sais, je vous ferai demain les records d'un lac gros gibier. Puis on aurait à l'Anglois qui a le record du monde à l'arc sur l'Orignal. Puis je vous parlerai d'une couple de places que je connais que les records du monde ont sorti. Je peux vous parler de long en large du Hanson Buck qui a le record, mais on va en reparler. On va mettre ça demain dans mon sujet pour vous parler. C'était Longeaz du 1er janvier. Je vous souhaite vraiment une bonne et heureuse année. Je vais vous dire ça comme ça, là. Je vais vous souhaiter de la santé. Je le sais que c'est cliché, mais je vais vous souhaiter de la santé. Mais après ça, qu'est-ce que je vais vous souhaiter? Du gros, gros, gros fun. Du fun, juste triper. OK? Hier, là, quand je vous ai fait mon pause, je vous ai dit, chaque minute, profitez-en comme c'était la dernière. Attendez pas. Ne remettez pas en main s'il y a de quoi que vous pouvez faire aujourd'hui. Amusez-vous, OK? Entretenez vos passions, que ce soit la chasse, la pêche, peu importe ce que ce soit, entretenez-les. Puis je vais vous souhaiter d'en découvrir d'autres en 2022. Découvrir des nouvelles passions, faire de quoi qui est le fun, faire de quoi que vous allez aimer. Ça va changer, ça amène tout le temps de quoi de nouveau une passion. Hein? Ça nous brasse, fait que je vais vous souhaiter ça. Je vais vous souhaiter de prendre du temps, rester dehors, prenez du temps pour vous autres. Moi, chez nous, on a un principe, hein? Il y a trois affaires qu'il faut que tu mettes du temps égal dans ta vie. Du temps pour toi, du temps pour ton épouse, ton couple, puis du temps pour ta famille. Si tu mets ces trois affaires-là bien égales, ta vie, normalement, va bien. Alors, je vais vous souhaiter ça, de prendre le temps dans chacune des sphères que vous avez, de pouvoir prendre le temps et d'en profiter au maximum. Puis surtout, de jouer dehors. Allez dehors, OK? Passez votre temps dehors. Je sais qu'avec la pandémie, là, c'est cliché, là, mais... Christy, allez jouer dehors. Quand ça va pas bien, là, fais juste sortir dehors. Va prendre une marche. Ça coûte rien. Je pourrais vous parler de mille et une activités. Tu sais, faire de la motoneige, faire du ski alpin. Mais quand, là, ça vire en rond, là, lâche la TV, puis va t'en dehors. Va jaser avec Mère Nature. Tu vas voir, elle va te donner du bon temps. Puis tu vas revenir. Tu vas au moins avoir éclairci. L'air frais, ça éclaircit les esprits. Alors, va dehors. Va jouer dehors. C'est ce que je te souhaite le plus en 2022. Les résolutions, on en prend-tu? M'en prendre à mon goût, vous me direz que ça va être ça. Moi, je vais vous demander, c'est quoi votre résolution, vos résolutions de 2022? Moi, essayez d'aller plus à la chasse. Essayez d'aller plus à la pêche. Essayez de prendre plus de temps dans le plein air. Être dehors. Profiter de la nature, c'est ce que je veux prendre comme résolution. OK, bien manger, faire ça, là, c'est bien correct, là, mais prendre le temps d'aller plus à la chasse, à la pêche, puis surtout, OK, avec la famille, avec des amis, avec vous-même s'il faut, mais prenez le temps, c'est ce que je vais vous souhaiter en 2022, vraiment. Donc, passez une excellente journée, puis, ouais, c'est quoi votre résolution, vous autres, cette année, vous allez faire quoi? C'est quoi vous voulez mettre? Vous voulez avoir vraiment, puis mettre du temps là-dedans, puis peu importe ce que c'est, là, mais ça va être quoi? Moi, je vous l'ai dit, plus de chasse, plus de pêche, plus de plein air en 2022 pour pouvoir vous rencontrer mes histoires, puis qu'on va rester ensemble. Je vais souhaiter ça aussi, qu'en 2022, que pendant que la pandémie est là, qu'on passe plus de temps ensemble, qu'on jase en masse. Il y en a beaucoup qui me demandent pas le mot par téléphone. Là, je peux pas faire ça, par exemple, parce que par téléphone, c'est beaucoup de travail pour moi, par gang que vous êtes, mais qu'on communique plus ensemble, qu'on échange plus ensemble, à travers On Jase, à travers Messenger, même si je vous vois pas tout le temps. Mais une belle année. Tu sais, quelque chose, même si la pandémie, c'est de la merde, là, OK? Faut quand même voir le beau côté des affaires, puis prenez-les. T'es pogné à la maison, tu peux pas... Va dehors, va juste dehors. Ça, ils ne l'empêcheront jamais d'aller dehors. Je sais qu'ils ont mis un couvre-feu.
pas grave. Dans le jour, prends le temps. Va jouer dehors. Va jouer. Ça durera pas éternellement le couvre-feu, là. OK? C'est juste temporaire. Donc, il faut vivre avec ça. Donc, passez une excellente journée. Passez une maudite belle année 2022. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao.